Zamares in Agromoros in from me. Mama, oh, then I say. Hi, Fai. What's that doing? Where are you from? Vous êtes Bafia. Vous êtes Bafia. Pourquoi vous habillez comme les musulmans? Moi, j'étais musulman. Vous étiez musulman. Vous savez pourquoi je suis venu vers vous? Do you know why I came? Vous savez pourquoi j'ai couru vers vous? Do you know why I ran? Parce que j'ai entendu comme Aïcha. Because I heard like Aïcha. C'est ça que j'ai demandé, que vous êtes d'où? That's why I asked where are you from. Vous me suivez? Je vous suis, papa. Ah, regardez alors. Je vous suis, papa. Je vous suis. Ça, c'est la prophétie sur les Bafia. C'est non, comme ça que ça fait. Vous avez connu quelqu'un qu'on appelle Aïcha? Have you known someone called Aïcha? Hein? Non. Vous n'avez jamais connu quelqu'un qu'on appelle Aïcha? Non, papa. C'est pas vrai. Aïcha, Aïcha. C'est pas vrai. Vous étiez marié? Were you married? J'étais marié, papa. Hein? Oui, papa. Vous étiez marié? Oui, papa. Et vous ne connaissez pas Aïcha? And you don't know Aïcha. Aïcha, Aïcha. Donnez-lui le micro. Vous dites que vous étiez musulmane. Vous vous souvenez d'Aïcha? Oui, je suis rappelé d'Aïcha. Aïcha, c'est qui? C'est ma petite fille. Attendez. Laissez-moi vous dire quelque chose. Let me tell you something. Oui, papa. Il y a une femme qu'on appelle Hajara. There is a woman. Qui était votre amie. C'est ma fille. Homme, votre fille. Oui. Je ne parle pas de votre fille. I'm not talking je about parle de votre amie. I'm talking about il y a une femme qui était une amie à vous. A woman that was a qu'on appelait Hajara. Hajara. Il y a quelque chose qui s'est passé something avec cette femme. With that woman. Je ne parle pas de Hajara, votre fille. I'm not talking about Hajara, your il y a une femme que vous fréquentiez qu'on appelait Hajara. Ça fait Hajara. Quelques temps en arrière. Sometimes backwards. Vous vous êtes déjà retrouvé chez une femme pour vous faire traiter. You already found yourself. Oui, on vous a fait des scarifications. What it is, scarifications. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Vous vous souvenez? Do you remember? Vous connaissez le nom de la femme, vous vous souvenez? Oui, elle s'appelait Dada Aïcha. Aïcha. Voilà. Dada Aïcha. Aïcha. Voilà. On vous a amené chez Aïcha et elle vous a fait Aïcha, des scarifications. Des scarifications. Au pied. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et elle a pris une poudre noire. Elle a frotté sur ça. Elle vous a remis une poudre dans un plastique transparent. Elle vous a dit de rentrer avec. Que vous allez utiliser ça avec la bouillie. Et que l'autre vous couvrez, comme ça vous brûlez avec le charbon. Et c'est ce que vous avez fait. Et quand vous êtes rentré chez vous, à l'époque, vous habitiez dans une maison. J'ai vu une maison qui était comme une sorte de studio. Hein? Une maison qui était une sorte de studio. En fait, c'était un salon avec une armoire. Parce qu'on n'est plus dans la maison là. C'était une maison avec un petit salon, avec une armoire en bois. Avec une armoire. Oui, papa. En bois, et puis au sol il y avait quelque chose comme on un tapis floor, et il y avait like des chaises. Hein? Il y avait des chaises. Oui, mais il y avait l'armoire dans laquelle vous aviez mis des verres, des tasses et tout ça. C'était bien rangé. Oui, papa. Et au-dessus de l'armoire, il y avait comme une nappe. Il y avait une nappe. Oui, papa. Vous avez dessiné une nappe de couleur blanche. Oui, papa. Avec les bords, les bouts là, c'était effiloché. Oui, papa. Effiloché. Oui, papa. Donc, je vous ai vu à cette époque, vous êtes parti, vous êtes retrouvé chez Aïcha parce que ça n'allait pas. Ça, c'est une histoire de mariage. C'était une histoire de mariage, une histoire de foyer. Vous comprenez? Oui, papa. Mais vous avez été déçu dans la voie que vous avez suivie. Oui, papa. Vous avez été déçu. Regardez. J'ai vu quelqu'un qu'on appelle Aliou. I saw someone called Aliou. Hein? J'ai vu quelqu'un qu'on appelait Aliou. I saw someone that was called ça, c'est Aliou. Un homme. Hein? C'est un homme. Oui, papa. Qui s'était intéressé à vous. That was interested in you. Quand j'étais en train de prier. When I was praying, parce que quand je lui ai demandé qu'Aïcha c'est qui, elle a dit qu'elle ne connaît pas. Aïcha, quand on adorait, le Seigneur m'a dit que c'est une guérisseuse où on l'avait amenée. Et qui avait un problème. Qui s'est passé. Bon, maintenant, regardez. Now, look, moi, je vais prier avec vous. L'histoire de l'islam, si. Vous vous souvenez d'Aliou? Papa, oui.
vous souvenez? Je me souviens de lui. Bon, maintenant regardez, madame, si non, une chose, une parole sort de ma bouche, okay, c'est pas des jeux. Mouth, aucune parole qui sort de ma bouche ne peut no tomber. Je sais pas quoi. Aucune. Je vous dis la vérité. No, laissez-moi vous montrer quelque chose. Let me show you something. Quand vous êtes allé dans l'islam, votre vie a été confondue. C'est la confusion que vous avez trouvée. Parce qu'à l'époque, quand je vous ai vu dans la maison et le mariage dont je parle ici, hein? Il y a des choses qui se sont passées. Il y a une jeune femme qu'on appelait Martha qui venait dans votre maison. Vous savez où elle est maintenant? Elle est à Batouri. On l'appelle comment? Martha. Martha. Cette Martha était une amie à vous. Et laissez-moi vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Martha était mariée à un monsieur qu'on appelait Aladji. On l'appelait Aladji. Aladji Bouba. Aladji Bouba était le mari de Martha. Martha était votre ami. Un jour, Martha est venue chez vous. Elle vous a apporté la bouillie. Elle vous a apporté la bouillie dans un panier, dans un kumbo. Le genre de kumbo, c'était de couleur jaune, mais avec les points bleus. Vous voyez le genre de kumbo là? Elle vous a apporté, c'était une bouillie d'arachide. Elle vous a donné ça. Elle est partie, vous avez bu. Le lendemain, elle est revenue. Elle a pris ses assiettes que vous aviez lavées. Vous avez remis ça dans le panier. Dans ce que vous avez bu là, vous avez bu les remèdes. Ce n'était pas la bouillie. C'était un carfale pour que votre mariage soit détruit. À cause de la jalousie. Pourquoi? Parce que vous, quand vous faisiez le commerce, ça marchait. Tout le monde venait acheter chez vous. Tout le monde venait. Et ça fait que ça suscitait la jalousie tout autour de vous. Ça suscitait la jalousie. Maintenant, vous voyez, dans l'histoire de l'islam, avant d'aller dans l'islam, vous avez une amie qu'on appelait Henriette. You had a friend called Henriette. Qui était votre meilleure amie. Your best friend. Oui, papa. Qui était une femme que vous écoutiez. Vous savez où elle est maintenant? Do you know where she is now? Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? How long ça fait très longtemps. On l'appelait comment? How was she called? Vous me suivez? Je vous suis, papa. J'ai dit que vous aviez une amie à vous qu'on appelait Henriette. You had a friend of yours. Ça fait longtemps. Long ago. Avant même que vous ne deveniez musulmane. Before oui. You even became Muslim. Je ne sais pas là où elle se trouve maintenant. Hein? Je ne sais pas là où elle se trouve maintenant. Mais est-ce que c'était votre amie? C'était mon amie. Hein? Oui, papa. On l'appelait comment? Henriette. How was she called? Henriette. How was she called? Regardez. Look. Lorsque vous voulez entrer dans l'islam, when you want to enter Islam, elle vous avait dit que non, ma soeur. She told you, no, my sister, don't do that. N'entre pas. Don't enter. C'est pas une bonne voie. It's et si tu as bien way. Réfléchi, did you think, vous l'avez dit, non, ça va, j'ai bien réfléchi. Her, no, it's okay. Ça va. Oh. It's okay. Et c'est l'ange de Dieu qui lui parlait à travers vous. And it's the angel of God. Parce que vous entrez dans l'islam à cause d'une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. C'était l'amour qui vous fait entrer dans l'islam. C'est pas parce que vous étiez convaincu que l'islam, c'est l'amour. C'est l'amour. Idriss. C'est l'amour. Idriss, c'est à cause d'un garçon qu'on appelait Idriss que vous êtes retrouvé dans Idriss, l'islam. Vous a dit que non, si tu veux être avec moi, il faut que tu t'islamises, no, il faut que tu entres dans l'islam me, et tout. À cause de ça, vous êtes retrouvé dans l'islam. It, vous êtes une femme sur qui Dieu a beaucoup de projets. You're a woman on whom God has a lot of projects. Beaucoup de projets. A lot of projects. Oui, papa. Vous suivez? Je vous suis, Dieu a beaucoup de projets sur vous. God has a lot of et projects on les you. Plans and de Dieu pour vous ont été retardés par votre God's décision d'aller où vous êtes allé. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous fait grâce. But today, amen. Vous savez, lorsque la prophétie sort pour quelqu'un, c'est pour tout le monde. Someone, tends la main vers elle. Mettons-le debout. Tends la main her, sur elle. Stand, stretch your hand towards her. Prions que Dieu Let's la restaure. For God to restore her. Que Dieu restitue dans sa vie les années qui ont été dévorées. Nous sommes dans May la prière au nom souverain de Jésus. May God resurrect in her life the years that were devoured. We pray in the sovereign name of Jesus. Esevara mi mole gurakshara ejavaro shere evara mi la shere ejavaro suru. Sera mi maligol mero surufri e savora mi lo sere e llevarome zegare
Père, au nom souverain de Jésus, Father, in the sovereign name of Jesus, qu'une grande grâce repose sur elle. A great grace rests on her. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restaure-la, Seigneur. Si je vous dis que la femme-ci, cette année, woman, Dieu va la bénir. Year, God will bless her. Financièrement, dans ses affaires, qui va croire? Business, who believe? C'est la parole de la prophétie. It is the word of prophecy. Tu viens à l'église, tu ne sais pas comment ta vie est. You don't know how your life tu croises le prophète, il te dit des choses prophet, et t'annonce. Il y a un miracle que le Seigneur va opérer dans there votre vie. Amen. Me suivez? Do you understand me? Il y a une femme qu'on appelait Salla. There is a woman qu'on appelle Salla, called Salla, qui a votre argent. Having your money. Salla tout. Et le Seigneur m'a dit que cette femme va réapparaître that woman et payer. And elle pay. Va vous payer votre pay argent. Amen. Amen. Elle va vous Amen. Remettre votre argent. Salla tout. Amen. Amen. Elle va vous remettre votre argent. She will give you et pendant back qu'elle money, remet cet argent, she gives l'ange back de l'Éternel money, bénira cet the argent. Angel of Lord will bless vous me suivez? That money. Ça, c'est un argent qui a fait avec un terrain, avec Amen. Une portion de terrain. Amen. Elle va venir. With a portion of land, she will come. Ça fait longtemps. It's très longtemps, long. Papa. Hein? Très longtemps. Ça fait longtemps qu'elle a longtemps. Cet argent. She has that money. Maintenant, est-ce que vous croyez qu'elle va vous appeler? Now, va do vous you trouver? Believe she will call vous croyez you? En ça? Do you believe c'est moi qui vous dis. Je crois. Allez, attends, elle va vous chercher. Attendez. Wait. Quel est ce Dieu? Who is this God? Vous voyez quelqu'un? You see someone. Comment Dieu? On dit Dieu me dit qu'elle sera riche. God tells me she'll be rich. Et la question c'est par the qui question Seigneur? Is, through who, Lord? Et le Seigneur me dit elle a eu un problème de terrain and avec Salla, Salla tout. She had a land problem with Salla. Et que Salla tout va venir lui rendre son and argent. And Salla tout will come and give her her money. Le Dieu des prophètes. The God of prophets. Et elle dit que ça fait longtemps. And she says it's long.